sur Europe 1. Alors j'ai reçu un petit mail d'Hervé Tekel qui me dit « Caroline, ce n'est vraiment pas du sérieux. Hier, Robert De Niro vous a attendu toute la soirée dans sa suite avec une coupe de champagne et vous n'étiez pas au rendez-vous. Quel dommage. Alors finalement, il a décidé de commencer le festival sans vous. » Et oui, vous voyez comme je vous aime, hein, j'ai délaissé le grand Robert De Niro himself pour être avec vous ce soir. Oui, j'aurais pu être dans une suite au Majestic ou au Martinez. Eh bien non, je suis là au studio Coluche avec toute ma fine équipe pour être à vos côtés, vous entendre raconter vos tranches de vie. On va pas se faire notre cinéma, hein, et pourtant vos vies pourraient faire l'objet d'un scénario, parce que vos vies, parfois on y sous des apparences ordinaires, mais se révèlent souvent très complexes et tout sauf banales. Alors pour témoigner, eh bien pour réagir, 39 21, vous y serez accueillis ce soir par Assiba et par Quentin, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et puis, bien sûr, vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot « nuit ». Zaz l'a fait. First Lisa m'envoie un petit message pour dire « J'ai vu Robert De Niro, j'ai regardé le Festival de Cannes et je suis d'accord. Hein, quel charme, oui, je dirais même plus la classe, c'est vraiment la classe intégrale. » Anna, elle m'envoie un courriel pour me parler du témoignage de Michel, hein, témoignage très très fort en dernière partie d'émission hier soir. Anna me dit « Émouvante Michel, je crois concernant sa mère bannie et la haine révélée de sa grand-mère et de sa tante maternelle, sa recherche lui permet de comprendre le traumatisme maternel et les conséquences pour elle, enfant. Certains destins pris dans la tourmente de la guerre et des délations sont terribles. J'ai lu Une femme à Berlin, le sort des femmes quand les ennemis, ici les Russes, entrent dans Berlin. Je vais samedi au théâtre des Mathurins voir cette pièce avec Isabelle Carré qui ne parvient pas à laisser cette interprétation. Triste sort des femmes dans les pays en guerre où le viol viendrait anéantir la race, Serbie et tant d'autres ethnies contre ethnies. Je suis très admirative de la démarche de Michel qui veut comprendre, savoir, quel que soit le secret, nous dit Anna. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, j'écoute souvent votre émission. Là, je suis un petit peu émue pour vous parler. Enfin, parce que j'ai pas mal de problèmes, notamment des problèmes de santé. Enfin, donc là, actuellement, j'ai un cancer au colon rectum et donc j'ai été opérée au mois d'octobre. Et j'ai eu une stomie qui a été retirée au mois de février. Et puis, enfin, bon, je suis toujours en chimio. Mais je sais que j'en peux plus, enfin, de tous les problèmes de santé que j'ai eus. Oui. Parce que bon, j'ai pas eu que ça. Avec mon mari, ça va pas non plus. Enfin, disons que le couple ne va pas bien du tout. Enfin. Et actuellement, enfin, même depuis que vous êtes malade, il n'est pas un soutien pour vous. Non, non. Ben, je pense que, bon, je pense parce que d'un côté, il n'a pas de soutien, parce que disons qu'on lui a peut-être pas appris quand il était jeune, il n'a pas été élevé par ses parents, il a été élevé par sa grand-mère, et je pense qu'il n'a pas su apprendre ça pour sa grand-mère. Donc, je pense qu'il y a un côté de son enfance. Donc, y a ça. Enfin, et auprès de qui, alors, vous pouvez un peu trouver du soutien actuellement? Donc, moi, je trouve du soutien. Bon, j'ai deux filles, donc je trouve du soutien auprès de mes filles, surtout. Oui. Auprès de ma mère, de mon frère, ma sœur. Oui. D'amis proches, aussi. Bon, c'est important, mais oui. Pas de, enfin, disons, de mon mari, non. Enfin, hélas. Enfin, non, non, pas du tout. Et bon, là, je sais que je souffre pas mal, et l'autre fois, j'étais à penser à me dire que, enfin, disons que j'avais des idées noires, enfin, je me dis, mais je comprends pourquoi les gens, enfin, mettent des fois un terme
à leur vie quand ils souffrent. Enfin, vous souffrez physiquement, là? Physiquement, oui, parce que disons qu'après m'avoir retiré la stomie au mois de février, disons que j'ai un transit qui reprend très difficilement. Oui. Et enfin bon, avec des hémorroïdes qui me font mal, et puis bon, j'ai des pertes, enfin, excusez-moi, enfin. Et donc ça me fait souffrir, enfin disons que je me sens régresser, enfin j'ai l'impression d'être un enfant de moins d'un an, enfin je suis très très mal. Et puis bon, en plus, enfin j'ai l'impression de... En 2008, j'ai vécu un lymphome avec une insuffisance rénale qui a été décelée. J'avais un diabète en 99 qui a été décelé aussi, donc tout ça, enfin... Oui, donc vous avez de graves problèmes de santé, c'est vraiment... Oui, j'ai aussi une hypothyroïdie, enfin bon, bref, et puis d'autres opérations que j'ai eues, enfin... Et puis entre autres, enfin, en 94, j'ai eu un enfant qui est décédé, et j'ai pas eu du tout non plus l'appui de mon mari, enfin... Et donc, j'en suis venue à... Qu'est-ce qui s'est passé? Quel âge avait cet enfant? Disons que l'enfant, il a... disons que celui qui m'avait passé les échographies n'avait pas voulu me dire la vérité. Donc, il m'avait dit que l'enfant allait très bien lorsqu'il avait une très grosse malformation du cœur. Donc, il m'a laissé aller jusqu'à la grossesse. Et puis... Jusqu'à l'accouchement. Bon, voilà, oui. Mmh. Puis avant, un petit peu, quelques jours avant de l'accouchement, j'étais pas très bien. J'étais voir la personne qui devait accoucher, qui devait m'accoucher, puis la gynécologue. Et puis c'est là qu'elle a constaté qu'il y avait quelque chose. Et puis, donc il est décédé au bout de 14 jours, enfin, avec deux opérations. Enfin, ils ont essayé de faire deux opérations. Il avait un équerre et puis après l'INEC. Et enfin bon, suite à ça, donc j'ai l'impression que je me suis remise pour les filles. Enfin, je me suis dit, il faut que je m'en remette pour... Mais j'ai l'impression que j'ai peut-être pas... J'ai fait un certain deuil parce qu'il m'a apporté certaines... Enfin, disons, il m'a ouvert certaines portes où j'ai quand même appris. Par exemple, j'ai voulu apprendre le piano lorsqu'avant, il fallait pas me parler de piano. Ça m'a ouvert des portes. Au niveau, il y a eu des points positifs. Mais bon, il y a d'autres côtés. Je suis devenue boulimique parce que j'ai eu un manque affectif de la part de mon mari. Et puis bon, j'ai eu peut-être le manque aussi de mon fils. Enfin, et puis il faut dire aussi que quand j'étais jeune, j'ai eu une tentative de viol. Donc tout ça, enfin, ça ressurgit avec ma maladie actuellement. Et puis je me sens très agressive avec mon mari actuellement. J'ai l'impression que, enfin disons que, enfin parce qu'à force de me dire que, enfin par moment parfois quand j'avais des problèmes, enfin quand il y a des problèmes à résoudre dans le couple, disons qu'il me dit oui, dis-moi que c'est de ma faute, dis-moi, hein, et je sais qu'on ne résout pas comme ça. J'ai déjà été voir des psychologues, on me dit non, c'est pas comme ça. Enfin, il me dit, en disant ça, il remet la faute sur vous. Donc à force, je pense que je me suis culpabilisée et je me suis trouvée méchante. Enfin voilà, enfin, des fois j'ai dit à ma mère, de toute voilà, façon, quand on souffre, on peut être agressive, hein. C'est souvent, ça peut être le cas. Hein, c'est une façon de réagir finalement, de se défendre de quelque chose. Mais là, on voit bien, Valérie, à la façon dont vous parlez de vous, que tous les événements douloureux de votre histoire, ils sont très, très, très présents en vous. Hein. Oui, oui. Vous les faites défiler, là, pas de façon chronologique, mais ils sont là. Donc, parce que vous êtes à un moment de votre histoire où vous vous sentez écrasé, au fond, oui, voilà. Alors, il y a évidemment la maladie, où ouais. Vous sentez, vous pouvez avoir un sentiment aussi de révolte face au sort qui s'acharne aussi, se dire pourquoi ça vous frappe comme ça, avec une telle force, hein, parce que quand la maladie s'acharne, on peut se dire pourquoi nous, Et puis, vous dites il y a la douleur physique, alors même si, j'imagine que vous en avez parlé à votre médecin oncologue, qu'il fait en sorte quand même de
de prendre en charge la douleur. Vous lui en parlez quand même, mais c'est vrai qu'il y a... Ils me font voir, disons, à chaque chimio, je vois une psychologue, je parle. Enfin, moi, l'autre fois, j'ai pas pu la voir. Oui, mais je veux dire même la douleur physique, hein, la douleur, parce que effectivement, il y a la douleur physique et puis il y a la douleur morale. On voit bien qu'il y a les deux chez vous. Et que la douleur physique entraîne aussi de la douleur morale. Quand on souffre physiquement, eh bien, on se déprime. Hein. Et puis la dépression nourrit aussi la douleur physique. Enfin, c'est un bon. Simplement, là, vous avez de par l'intervention que vous avez eue, vous avez aussi des raisons à cette douleur. Alors, il y a malheureusement des douleurs qu'on peut soulager, diminuer, puis il y a des reliquats, il y a des choses encore qui peuvent rester. Est-ce que votre médecin, vous lui dites bien qu'il y a des choses encore qui vous font souffrir? Est-ce que vous en parlez suffisamment de cette douleur déjà physique pour voir qu'est-ce qu'il est possible encore pour en diminuer déjà l'intensité? Ben, disons que cet après-midi, j'ai eu l'hôpital en ligne qui me proposait de... Enfin, rendez-vous, vendredi, j'ai la chimio. Mm. Il me proposait de voir un proctologue déjà. Oui, ben oui. Donc, je me suis dit, oui, j'ai la chimio, mais je me suis dit, bon, il me propose à 10h30, mais je sais que le traitement va finir vers les 11h, 11h30. Je me suis dit, mais après, je veux bien, je leur ai dit que je voulais bien que j'acceptais, oui. Mais oui, mais vous avez raison, parce que il est important de prendre en compte cela, de voir donc ce spécialiste. Alors en plus, vous dites, évidemment, ça touche à l'image que vous avez de vous-même. Hein, quand vous dites que vous avez l'impression de régresser, ce sentiment de régresser, oui, ça c'est pas facile. Ça pour le c'est et ça joue évidemment sur votre morale. Ça vous déprime, outre cette maladie. Mais il y a aussi cette image abîmée de vous-même. Et ça aussi, c'est déprimant. Donc, il est important que vous ayez là aussi un soutien psychologique. D'accord. Parce qu'en plus, je sais que là, aujourd'hui, par exemple, parce que l'autre fois, je téléphonais à mon travail et je dis je me sens complètement inutile. Et hier, ma fille aînée qui a sa troisième année d'études de kiné, elle fait un mémoire et elle me dit « Est-ce que tu veux pas me corriger les fautes ?» Ça, si tu vois. Oui. Et disons, quand on me donne des petites choses comme ça, je dis « Oh, ben, je veux bien. » Enfin, disons que ça m'a intéressé. Disons que ça m'a passé un peu le temps et du coup, déjà ce soir, j'étais beaucoup mieux. C'est ça. Quand vous avez été utile, voilà. C'est ça, quand vous avez un petit peu un projet, un objectif. Au fond, vous êtes moins à ressasser, à ruminer, quelque chose trouver. Et ça, c'est important. Vous voyez, au fond, là, c'est passé. C'est votre fille qui vous a, par le biais de ce mémoire, vous avez corrigé des fautes. Et donc, il y a certainement des choses que vous pourriez faire, vous, aussi pour vous-même, et qui pourraient vous faire du bien aussi, qui pourraient être agréables, parce que finalement, et qui pourraient être utiles aussi. Là, vous dites, c'est pour les autres, être utile aux autres, mais aussi être utile à vous-même. D'accord. Parce que ça, par contre, j'arrive Vous avez du mal à faire. Oui, quand il s'agit de vous, semble-t-il. Il y a eu un moment, je faisais de la natation, j'étais très contente. Oui. Je me dis, c'est là que mon fils aussi m'a apporté des choses aussi. Bon, aussi au niveau du piano, mais pour l'instant, je peux pas faire. Disons que là, avec la fatigue immense que j'ai. Bien sûr. Il faut que ce soit. Je peux pas faire ces activités-là. Bon, par contre, je me suis aussi occupée parce que je m'occupe de l'eau pour trouver des lots pour. La kermesse qu'organise la natation, la piscine. Et ça aussi, c'est bon. Ça me fait du bien aussi. Oui, parce que vous êtes en relation avec d'autres personnes. C'est ça. Ou
quand parfois, enfin, je garde des petits. Enfin, des fois, ça m'est arrivé il y a quelques années de garder des petits. Bon, bah, comme j'adore les enfants, enfin, donc j'ai fait ça et ça me faisait plaisir aussi. Mais c'est sûr que là, enfin, en étant arrêtée, enfin, j'ai moins de contact avec l'extérieur. Oui. Et du coup, enfin, voilà. Enfin, et j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé en 23 ans avec mon mari, enfin, les bas, enfin, disons que les côtés négatifs. Je le reporte sur lui en ce moment. Et oui, forcément. Parce et, que. Des fois, je me dis, mais je suis complètement folle. Non, ça n'a rien à voir avec, avec la folie, Valérie. C'est que vous le dites très justement. La maladie isole et la douleur isole terriblement. Ça vous isole socialement. Donc, ce repli sur vous-même alimente aussi cet état un peu dépressif. D'accord. Et on le serait à moins. Si vous voulez, quand on souffre physiquement, ça engendre très vite un état dépressif. Hein. Parce qu'une douleur vraiment chronique, il y a peu de gens qui résistent et qui ne basculent pas dans un état dépressif. Donc c'est pour ça qu'on peut même donner des traitements. Parce qu'il y a dans certaines familles d'antidépresseurs d'ailleurs qui peuvent, si vous voulez, qui sur certaines douleurs ont une activité. Alors là, c'est différent parce que vous, vos douleurs, elles sont liées aux conséquences de votre cancer, hein, et à l'intervention. Et c'est pour ça que votre oncologue a bien fait de vous conseiller de voir ce spécialiste. Parce qu'il ne faut pas rester avec tous ces effets, la secondaire. Il faut pouvoir en parler. D'accord. Et j'ai déjà un traitement, par contre, antidépressif, parce que depuis que je suis jeune, j'ai un côté dépressif. Hein, je crois que je tenais de mon père, qui était aussi dépressif. J'ai un traitement. Mais bon, c'est sûr que là, Et vous voyez quelqu'un? Vous êtes sur le plan psychologique? Parce que oncologue vous a... disons à l'hôpital. Oui. À l'hôpital, actuellement, à chaque fois que je vois, oui, j'ai vu d'autres aussi psychologues aussi, pour les problèmes aussi qui m'est arrivé aussi dans mon temps et avec mon mari, mais le problème, il y a des choses que je peux pas résoudre. Disons que bon, il y aurait peut-être un travail à deux en couple, mais bon, mon mari ne croit pas au thérapeute, Mais peut-être que si déjà vous êtes un petit peu vous avez un endroit pour poser un petit peu tout ce qui en ce moment vous submerge, vous serez un peu moins agressive avec lui et du coup vos rapports seront un peu moins tendus. Parce qu'évidemment, c'est vrai que plus vous l'agressez ou vous êtes, plus lui, il va soit rentrer dans sa coquille ou être pas forcément gentil avec vous. Hein. C'est un cercle un peu vicieux. Parce que c'est déjà, au départ, un homme qui est pas communicatif. Oui. Et oui. Donc ça n'arrange rien. Il est souvent face à la télé, ou l'ordinateur, ou donc vous voulez le faire. Ça me manque qu'ils prennent pas de décision. Quand on est parti en vacances, c'est moi qui ai décidé d'aller là ou là. J'ai l'impression d'avoir un chien en laisse. Quelle image. Mais si vous voulez, c'est pas en le. Vous vous rendez compte aussi, Valérie, que c'est pas en lui aboyant. Alors je vais reprendre l'image du chien. Qu'il va venir vous faire des caresses. D'accord. Mais je comprends aussi.
que vous soyez mal et que vous ayez besoin de parler. Donc, il faut à la fois que vous soyez bien prise en charge et qu'on fasse tout pour réduire l'intensité de cette douleur et puis que vous soyez aussi bien soutenue psychologiquement. Il y a peut-être un livre aussi, il y a le psychanalyste Guy Corneau, je sais pas, vous en avez peut-être entendu parler, qui a traversé cette épreuve hein, d'un cancer. On lui avait découvert un cancer au stade 4, donc stade vraiment la forme plus importante. Hein. Et il s'en est sorti et il parle de cette traversée, hein, de cette épreuve. Et vous connaissez, vous en avez entendu parler ? Non, pas du tout. Son livre s'appelle « Revivre », d'ailleurs, c'est... pas trouvé un plus beau titre. Ça s'appelle donc c'est Guy Corneau, Revivre, et je crois que c'est aux éditions de l'Homme. D'accord. Peut-être, ouais. Voilà. Alors après, chaque parcours est singulier, mais ça peut-être. Parce que, vous pouvez peut-être y trouver des pistes. Ça fait plusieurs années, surtout depuis le décès de mon fils, que. La santé se détériore. Oui, et alors justement, et Guy Corneau dit que parfois il y a. Je me dis, je m'en veux aussi d'être devenue boulimique parce que je me dis. Oui, mais vous vous en voulez beaucoup, c'est ça. Alors il y a quelque chose, et alors. Il dit aussi finalement, il s'interroge. Bon, alors c'est un psychanalyste, hein, donc il s'interroge. Alors il s'agit pas de, mais un psychanalyste donne toujours du sens, cherche toujours à donner du sens, mais finalement sur la maladie, sur. Alors lui, il parle de son parcours, hein, mais de Bon, il y a peut-être des pistes à trouver. En tout cas, il y a First Lisa qui vous envoie un petit message pour dire ben, « Je trouve que Valérie a de la ressource. Peut-être que vous devriez voir un psy plus régulièrement », dit First Lisa, parce que c'est vrai que ça semble pas être très régulier. Ça pourrait être un soutien. Elle vous envoie tous ses vœux de bon rétablissement. Et puis Lali qui vous envoie plein de courage à travers les ondes, qui vous dit « Accrochez-vous » et qui vous embrasse très fort. Merci, c'est gentil. Merci. Parce qu'en plus, je sais aussi quand même que, à travers les maladies, par exemple la foudre, tout ça, je me suis dit, des fois, je me suis dit, mais la vie est belle, pourtant, il y a la maladie, mais je me dis ça aussi, disons qu'il y a peut-être un peu d'ambivalence dans ce que je dis, j'ai trouvé aussi qu'il y a des. Parfois, je me dis, mais la vie, elle est belle. Enfin, je me dis, pourquoi qu'il y en a qui râlent pour un petit truc. Alors, peut-être que, aussi, à propos de votre mari, il y a le subversif qui dit, vous pouvez aussi inviter votre époux à consulter en votre compagnie votre oncologue qui l'avertira de la grande irritabilité de la personne qui souffre. Parce que peut-être que aussi votre mari, en effet, ne mesure pas à quel point quand on est en souffrance, hein, et notamment quand on est dans une douleur comme ça, physique, à la fois physique et morale, il y a beaucoup d'agressivité, d'irritabilité et d'agressivité. Ce qui pourrait aussi permettre de l'aider à mieux vous comprendre. Alors, ça peut être lors d'une consultation, pas chez un psy, puisque bon, votre mari ne veut pas entendre parler des psys, mais chez le médecin, chez votre médecin oncologue. D'accord. Hein ? Parce qu'il peut accepter de vous accompagner chez le médecin pour un. Ouais, je sais pas. En plus, vous pourriez en parler avec votre oncologue. Il a des gros problèmes de dyslexie, donc on a du mal. Sans doute, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à dans la communication. Oui, mais vous pourriez en parler à votre médecin oncologue la prochaine fois, ouais. En disant bon, c'est compliqué dans mon couple. C'est vrai que je suis très irritable, très agressive. Est-ce que la prochaine fois en consultation, vous accepteriez de faire un peu passer le message à mon mari ? Peut-être qu'il entendrait mieux de la part du médecin. Vous pouvez essayer, c'est vrai que c'est une bonne idée. Prenez soin de vous.
Valérie. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Caroline. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Mesa. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suppose que je vous écoute très souvent le soir et plusieurs reprises j'ai envie de vous appeler et donc là je me suis décidée. Là je vous appelle, j'aurais aimé avoir votre avis ou une aide. J'ai un petit souci, c'est que depuis un an je me retrouve dans une situation assez délicate qui m'a été imposée. Et j'ai mon mari qui nous a laissé, enfin qui nous a dit au départ qu'il avait au niveau de son travail, il y avait un échange de compétences au Maroc, dans notre pays d'origine. Oui. Et donc il est parti, donc on l'a laissé partir et suite à ça, j'ai fini par comprendre qu'il avait trouvé un emploi là-bas, et que ici son emploi il le laissait tomber, donc il est parti là-bas. Et donc c'était un peu dur. On a été le voir et on devait probablement s'installer là-bas avec lui. Et puis les choses se sont accélérées, se sont emballées. Donc au départ, je lui avais demandé de trouver un système de garde pour nos filles là-bas, parce que j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de profiter de lui et d'être avec lui. Et il a trouvé une école qui m'a pas du tout plu, donc ça m'a un peu crispée, parce que je suis partie du Maroc. Moi, j'étais petite, j'étais enfant, et je suis venue avec mes parents. Et mes parents... Vous aviez quel âge quand vous êtes partie? J'avais 4 ans. Ah oui, en effet. Oui. Donc j'ai quelques petits souvenirs du Maroc, mais... Oui. Enfin voilà, j'en ai gardé l'idée que mes parents s'étaient faites, c'est que j'étais mieux en France et que l'éducation là-bas, c'était pas à ma place, quoi. Donc j'avais peut-être pas envie que mes filles vivent ça, donc quand j'ai vu l'école dans laquelle ils voulaient mettre nos filles, donc ça m'a braqué un peu, je lui ai dit que je préférais aller voir mes parents vu qu'ils étaient là-bas. Donc les choses se sont enchaînées très vite, il ne m'a pas donné de nouvelles, il m'a donné un peu d'argent, donc après il devait nous rejoindre, donc on s'est un peu disputé parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas et si vous voulez, il a mis du temps à nous donner des nouvelles et après il nous a carrément plus donné de nouvelles, donc j'ai ma sœur qui m'a payé mon billet d'avion pour revenir en France, donc je suis revenue avec mes filles en France. D'ailleurs l'avion qui nous a ramené, c'était au moment des poussières volcaniques là qu'il y avait. On a failli ne pas rentrer. Oui, l'avion oui. a eu un gros souci oui. pendant le trajet. Donc on est revenu et à ce moment-là, j'ai décidé, parce que si vous voulez, mon mari s'occupait de tout ce qui était financier et moi, je m'occupais d'élever mes filles et de la maison, de l'intendance, quoi. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai décidé d'ouvrir les courriers, tout ça. Puis j'ai découvert, en fait, que j'avais plein de dettes. Parce qu'on était en accession de on allait devenir propriétaires tous les deux. On a acheté un terrain, on a fait construire une maison. Et si vous voulez, j'ai découvert qu'il y avait plein de dettes, énormément de dettes. Donc j'avais plus de nouvelles de lui, donc je me suis retrouvée à courir comme une malade. Enfin, j'ai fait un dossier de surendettement, j'ai fait une demande de divorce, j'ai dû être forte, parce que bon, il fallait être forte puisqu'il n'était plus là et je n'ai plus de nouvelles. Et vous n'aviez pas de nouvelles, vous ne... Non, c'était toujours moi qui appelais. Quand j'appelais, j'étais tellement à bout de nerfs que aussi je parlais pas forcément bien. Mais quand je suis rentrée, si vous voulez, j'ai découvert qu'il avait volé son entreprise, en fait. J'ai découvert qu'il avait fait des... Enfin voilà, il avait fait des magouilles et il a volé son entreprise. Et j'ai même découvert qu'il avait une maîtresse dans le sud de la France. Il avait une double vie en fait. Et quand il revenait nous voir, nous, il était fatigué. Il était
si vous voulez, on avait l'impression d'avoir un étranger, quoi. Oui, tout d'un coup, vous découvrez quelqu'un d'autre. Ah oui, mais pas l'homme avec qui que vous aviez aimé et épousé. Oui. C'est vraiment, oui, la double vie. Ah oui, la double vie, oui. Qui vous tombe dessus. Vous n'aviez rien vu venir, puisque vous dites au départ, il vous parle d'un échange de compétences, il revient. Ah oui, il est lui-même d'origine marocaine, donc oui, pour repartir. Oui. C'est ça, il repartait dans son pays d'origine. Oui. Bah, au départ, il était content, puisque pour lui, c'était une réussite, puisqu'il retournait. Il était venu étudier, à la différence de moi qui grandit ici. Mais c'était une fuite, alors, finalement, d'après ce que vous dites, puisque au fond, il avait des dettes partout. Oui, c'était une fuite. Oui, je pense que c'était une fuite. Et quelque part, il rattrapait un peu les choses en recommençant tout à zéro là-bas. Oui, c'est ça. Il cherchait à se refaire, au fond. Oui, il cherchait tout à fait à se refaire, et je crois... Et du coup, je l'ai pas suivi jusque-là. Et, Oui, parce que il aurait été prêt, lui, à ce que vous le suiviez là-bas. C'est-à-dire, c'est vous qui, au fond, n'était, enfin, ça ne, ce qui, je conçois, mais cette vie là-bas ne vous convenait pas, ça n'allait pas là-bas. Bah non, ce qui peut se concevoir vu que. Là-bas n'est pas la même, on n'a pas les mêmes libertés, on n'a pas la même... Je comprends, mais je comprends complètement. Et puis lui-même était un peu... il laissait un passif derrière lui aussi. Il a vécu 20 ans quand même ici, il est arrivé ici, il n'avait rien du tout, il était étudiant, il était... Non, puis il vous l'imposait en plus, il vous l'imposait, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous aviez décidé en couple. Il a essayé à deux reprises de me l'imposer, une autre fois avant. Et si vous voulez, j'étais forcée d'accepter cette fois-ci parce que je voyais ça comme si je l'empêchais de réaliser en tant qu'homme. Donc, je me suis dit que je ne devais pas lui refuser d'accomplir son rêve. Donc, et après, si vous voulez, je me suis pris dans la figure qu'en fait tout ça c'était. Si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir qu'on m'a volé ma vie, quoi, et que, si vous voulez, j'ai découvert des choses qui sont hallucinantes, et il y a quelque temps, il y a eu l'enterrement de ces gens-là à Nantes, et si vous voulez, vers la fin, il devenait très agressif, et il m'avait plusieurs fois menacé de, je pense qu'il, nerveusement, ça devait être dur pour lui, et plusieurs fois, il m'avait menacé de nous jeter dans le décor. Enfin, au niveau de la voiture, il conduisait la voiture. Il me disait, si tu veux, je... Vous et vos filles qui... Attendez, quand il dit il vous avait menacé, c'était qui? Vous? Ah, mais c'était mon mari. Non, mais j'ai bien compris que c'était votre mari qui vous menaçait. Mais c'était vous et vos filles ou... Ah oui. Ben, il voulait en finir. Il voulait nous tuer avec lui. Il avait une conduite un peu suicidaire. Oui, il était, il avait un caractère. Il était pris au piège finalement. Il se sentait pris au piège, quoi, de ses dettes, de ses. Donc bon, écoutez, il valait mieux qu'il reparte dans son pays d'origine que de s'en prendre à vous, à vos filles et. Et surtout qu'il y a une fin tragique comme ça. Il a volé ma famille, quoi. Si vous voulez, avant de partir, il a fait des chèques en blanc et il a mis la signature d'un de mes frères. Et si vous voulez, il a eu une attitude et des comportements. Si vous voulez, il a connu mes frères très jeunes. On s'est mariés, il avait 25 ans et moi j'en avais 21. Et si vous voulez, mes frères étaient petits, c'est des enfants, donc ils ont grandi maintenant et ils ont réussi quelque part leur parcours scolaire et leur vie professionnelle. Donc il avait... quelque part, je me demande est-ce qu'il n'avait pas aussi de la jalousie par rapport à ça. Donc, si vous voulez, quand je l'ai retrouvé là-bas et que je lui ai dit « Mais pourquoi tu as eu besoin de voler? Pourquoi tu as un besoin constant de mentir de... ?» Voilà, je lui ai dit « Tu es un mythomane. » Et là, un jour, il m'a alpagué et... il pouvait se montrer violent, quoi. Mais oui, mais parce que il ne pouvait ne pas supporter d'être démasqué. Oui, et il avait une attitude... Et dans ces cas-là, effectivement, ils peuvent devenir violents. Et il avait une attitude, c'est que je ne le reconnaissais pas. Avant, il supportait pas qu'on se couche en s'étant pris la tête. Il voulait absolument qu'on se réconcilie. Et là, il était...
Enfin voilà, il s'était mis dans son coin, il avait dormi et moi j'étais restée éveillée et il était, si vous voulez, il était, j'avais l'impression d'avoir un mur, d'avoir un meuble ou un étranger devant moi. C'était plus la personne avec qui je me parlais. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que par rapport déjà sur le plan matériel, parce qu'on sent bien que vous êtes, on peut le comprendre, encore très très affectée par Toute cette histoire, mais déjà sur le plan matériel, est-ce que vous arrivez à refaire un peu surface? Parce que vous venez écoutez, pour ne pas avoir à cogiter tout ça, j'ai fait ce que j'étais, comment dire, j'étais en congé parental, enfin, je m'étais en congé de libre actif, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, en fait, on travaille pas et on s'occupe de ses enfants, donc c'est ce que j'avais choisi. Mmh. Et du coup, j'ai dû, là, pour m'occuper l'esprit, j'ai pris un poste de VS dans une école privée, je m'occupe d'un enfant handicapé. Mmh. Ça m'occupe la tête et au niveau financier, on arrive à peu près à vivre toutes les trois. Ce qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, j'ai dû faire un dossier de surendettement. J'ai fait une demande de divorce qui a été repoussée parce que j'avais fait une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pas, malheureusement, qui n'avait pas été accordée en temps pour que ça puisse passer dernièrement. Et du coup, c'est reporté en fin d'année. Donc, eh ben, je me retrouve, en fait, à vivre dans la maison, à devoir supporter toutes les charges, tout ce qu'il y a à faire dans une grande maison. Et ben voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident de rester. J'ai l'impression que c'est moi et mes filles qui devons supporter, si vous voulez, les conséquences de ces actes et que lui, là-bas, il est... Mais oui, pour le moment, effectivement, c'est vous qui supportez, malheureusement, puisque lui étant là-bas, il ne peut pas... C'est ce qu'on vous a dit, il n'est pas poursuivi, et pourtant, bien qu'étant marié. Oui, c'est ça, c'est le fait qu'il... En fait, ce qu'il y a, c'est que comme il est à l'étranger, il ne peut pas être poursuivi, il faudrait qu'il... Mais c'est ça, c'est parce qu'il n'est pas, sur le territoire français. Oui, voilà. S'il était sur le territoire français, évidemment, mais bon, à mon avis, il n'est pas prêt de revenir. Hein. Non, non, et puis j'ai demandé, je lui ai dit une fois au téléphone que voilà, j'avais porté plainte et que... pour vol de chèque et puis pour abandon. Et si vous voulez, quand je lui ai dit ça, que j'ai porté plainte pour abandon, j'ai dû faire ça, si vous voulez, pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une aide auprès c'était de... C'était nécessaire, bien sûr. C'était nécessaire, oui, au point de vue... C'était, juridique, c'était comme oui. Si c'est... Oui, oui, comme vous s'il avez... était avec nous autrement. Oui. Donc ça, il ne l'a pas accepté, je pense. Et puis je lui ai donné un ultimatum. Je lui ai dit, au 31 décembre, si tu ne nous donnes pas de nouvelles... Écoute, il faudra faire des démarches pour voir tes filles. Je me suis sentie obligée de le mettre dans l'ultimatum. Oui, mais vous n'avez pas le choix. Écoutez, Neza, c'est en même temps, vous êtes obligée parce que vous êtes obligée d'agir ainsi pour. Oui. Quand même signaler ce qu'il est, c'est-à-dire que dans les faits, il n'est pas présent, hein. Il ne peut pas être présent. Non. Il vous laisse quand même dans une situation très 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 embarrassante, enfin pour ne pas dire plus. Ouais. Et c'est vous qui vous retrouvez à gérer cela. Donc déjà effectivement, c'est très lourd et matériellement c'est très compliqué. Alors même si dans les faits, on peut penser qu'effectivement il ne voulait pas abandonner ses enfants. Et peut-être d'ailleurs même vous, au fond, parce que il y avait de la fuite hein, dans son retour au Maroc. À un moment, il a été acculé, il a été pris dans une spirale. Qu'est-ce que lui seul pourrait le dire dans ses... Mais en même temps, bon... dire qu'il avait la... Comment dire? À un moment donné, il y avait la grippe A. C'était un moment où il avait des problèmes avec la justice. Et oui, il mais a vous. Fait croire qu'il était malade et on s'est inquiété pour lui. Oui, après, mais vous, Neza, en tout cas, vous ne pouviez. La vie, de toute façon, serait devenue impossible.
À un moment, il fallait bien vous préserver, vous et vos enfants. Ouais. Alors, c'est vrai que les conséquences sont très lourdes, bah, parce que c'est toujours très difficile de dire, tiens, quel homme j'ai aimé, qui est cet homme, au fond. Hein, il y a vraiment la part d'ombre que vous découvrez. On a tous comme ça des parts d'ombre. Et là, il y a évidemment quelque chose de cet homme qui vous échappe. Mais en même temps, c'est vrai qu'à un moment, il y avait des parties de sa personnalité qui quand même étaient aussi très préoccupantes quand il se trouvait comme ça acculé et qu'il vous disait je vais peut-être, alors c'était des paroles, entre les paroles et les actes il y a aussi un monde, mais peut-être que je vais me foutre en l'air, ou il vaudrait peut-être mieux qu'on disparaisse, ou bon, on ne sait jamais après tout, hein, parfois ça reste des paroles, et puis parfois des paroles, il peut y avoir des passages à l'acte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes là à vous dépatouiller d'une situation qui est complexe, mais vous êtes là avec vos filles et vous faites en sorte de... Le souci, c'est que je vous appelais parce que je dois prendre des antidépresseurs et je suis par un psychologue. Ça se comprend, j'ai comprends. J'ai du mal à avancer dans le sens où je n'ai plus de contact avec lui, je n'ai pas en fait la l'explication à tout ça, et je suis comme une personne qu'on aurait en fait bâillonné et qu'on aurait balancé dans un coin, et c'est comme si j'enlevais ce tissu qui me bâillonne la bouche, et j'essaie de trouver des explications, mais je les ai pas. Et le fait de le rappeler, de le ressolliciter à nouveau, ça m'est très dur, parce que je me dis que j'ai quand même quelque part un peu de fierté. Oui, mais c'est au-delà même de la fierté, Neza, parce que je pense que de toute façon, vous n'aurez pas les explications qui vous satisferont. Ouais. Parce que je ne suis pas sûre qu'il les ait lui-même. Oui, c'est clair. Il y a quelque chose qui peut-être lui a échappé à lui-même dans cette histoire. Et qu'il pourrait éventuellement travailler s'il le souhaitait. Non, mais attendez, s'il le souhaitait, s'il avait... Oui, mais pour qu'il ait été entraîné dans une telle spirale, c'est qu'à un moment, on voit bien, il était dans... Il était pas... Il admettre qu'il n'allait pas bien. Mais oui. C'était pas pour lui, tout ça. C'était... Enfin, voilà, c'est... Non, mais c'est pour ça que, bon, vous, que vous soyez actuellement à la fois soutenu par un traitement d'antidépresseur et que vous puissiez parler de tout ce que vous traversez, je comprends que ça vous soit nécessaire, parce qu'il faut quand même que, parallèlement, vous fassiez face au quotidien, que vous vous occupiez de vos deux filles. Donc, je comprends que vous ayez besoin d'un soutien. Et comme le dit Prune, vous êtes vraiment très courageuse, hein. Elle dit, tenez bon, et franchement, vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Donc, et le subversif dit, l'assurance vous sépare, vous êtes porté au changement, au progrès, lui, il est insécurisé, il est cramponné au souvenir, il est tourné vers un passé idéal. Et vous ne vous serez rejoint qu'au croisement. Et c'est juste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous le dites bien, lui c'est, il est revenu vers ses racines, mais finalement vers le passé. Oui, et ce qui est dur à accepter, c'est qu'en fait, il a quand même réussi à... Enfin, je comprends pas comment il a pu retrouver un travail... Mais c'est quelqu'un qui par ailleurs a des qualités aussi, donc au Maroc, il a, je veux dire, ses compétences, ses qualités, il a su les mettre aussi en avant, mais c'est pas dit que là-bas aussi il se retrouve pas dans les mêmes difficultés qu'il a rencontrées ici. Bon, maintenant la priorité, c'est que vous puissiez continuer à avancer. Vraiment. Ouais. Et comme Diane, j'espère que vraiment tout s'arrangera. Il n'y a pas de raison que ça s'arrangera. Vous avez vraiment surmonté le plus difficile. Maintenant, il faut continuer cette aide, ce soutien. Et vraiment. D'accord. Mais vous avez traversé le plus gros de la tempête, là, hein, Neza. Ouais, hein. Vraiment.
Bon, je remercie Caroline. Je souhaite le meilleur hein, pour et l'avenir. Pour votre... Au revoir. Au revoir, Néza. Au revoir. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit. Ensemble encore pour un peu moins d'une heure sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler au 39 21. C'est un peu mou hein, ce soir au standard, me dit-on. Alors vous me dites que parfois vous avez du mal à obtenir le standard. Je peux vous dire que ce soir, si vous avez envie de parler de vous, franchement, vous pouvez appeler, à mon avis, vous n'aurez pas de mal à obtenir Assiba ou Quentin. Ils ont les mains libres, ils sont disponibles, prêts à vous accueillir chaleureusement. 39-21. Alors Michel, vous vouliez nous parler de votre mari qui est décédé de la maladie d'Alzheimer. On a essayé de vous rappeler. Il se trouve, semble-t-il, que le numéro que vous nous avez communiqué n'est pas le bon. Peut-être que nous l'avons mal noté. Si vous souhaitez nous rappeler au 39-21, ben vous êtes la bienvenue parce que il y a eu peut-être une erreur de notre part. On a mal noté votre numéro. Donc voilà, si vous écoutez, si vous êtes encore à l'écoute, vous pouvez nous rappeler. Des messages qui arrivent au 7-39-21 pour Néza, dont le mari est reparti vivre au Maroc et qu'il a laissé cribler de dettes. Ghislaine dit c'est vraiment très dur ce que vous vivez, accrochez-vous pour vos filles et vraiment beaucoup de courage à vous. Également Vanessa qui dit je vous comprends, vraiment je suis aussi en surendettement. Et j'élève seule ma fille avec seulement le RSA. Et je vous assure que c'est très dur. Le subversif qui dit attention à cet homme, ce fuyard perclus de dettes et qui passe de dérobade en dérobade, un gouffre de peur. Surtout, ne vous laissez pas aspirer. Un petit message également d'Hugo qui lui revenait sur le témoignage de Valérie qui parlait de son mari avec qui elle avait beaucoup de difficultés, Valérie étant atteinte d'un cancer. Hugo dit « Le mari de Valérie n'est qu'un homme, entre guillemets, et nous les hommes souvent ». Nous ne savons que dire devant la maladie, les problèmes en général, surtout lorsqu'on se sent impuissant devant le problème en question. Ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas touchés. Bon courage surtout à Valérie, dit Hugo. Et puis Tinou, dit franchement Caroline. De Niro, Fifi, il n'y a pas photo quand même. C'est vrai, mais je vous l'accorde Tinou, mais vous savez ce que c'est ? Hein ? Souvent les femmes varient, ben, c'est juste l'attrait de la nouveauté. Tout, voilà, Fifi, je l'ai tous les soirs en face de moi. Bon, De Niro, je l'ai pas tous les soirs. Sinon, ben, il ne me ferait plus cet effet-là. Mais bon, je ne peux le voir que par écran interposé. C'est là qu'est toute la différence. Alors, il faudrait, comme me dit Fifi, qu'il se mette une petite mouche comme ça sur la joue. Voilà, ça ferait toute la différence. Allez, on va passer un petit peu de musique. Et on se retrouve après. C'est la sous Crazy Vibes, je pense. Ah, ça vous inspire, hein, on fait notre petit festival à nous ce soir. Le subversif me dit, bah oui, c'est vrai, un Fifi avec une mouche, quelques tics, rictus de psychopathe, un You Talking To Me dans l'œil, ça monte toutes les marches du monde. Oui, en tout cas, le grand escalier d'Europe 1, vous verriez comme il le marche, il le monte tous les soirs avec quelle aisance, je vous raconte pas. Il n'y a pas le tapis rouge, mais il le monte vraiment, c'est lui la star. Hein. Allez, bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous avoir. Mais moi aussi. J'écoute souvent votre émission. Et enfin, ce soir, j'ose me lancer parce que je me trouve dans une difficulté, un trou noir de vie. Et comme j'entends que beaucoup de jeunes femmes, et même déjà des femmes un peu plus âgées, ont les mêmes difficultés que moi, ben ce soir, j'ose un petit peu en parler. J'espère que je vais me libérer et que vous allez comprendre aussi et me trouver des conseils, des choses à dire. Parce que quand on est comme ça, ben on est perdu.
plus. Alors, pour vous dire en deux mots, du jour au lendemain, ma vie a basculé. La police est entrée chez moi en me disant, voilà, on a pris votre mari, on va l'emmener dans un centre psychiatrique. J'étais là, j'ouvrais des yeux énormes. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait l'esbrouffe dans un café, il a cherché querelle à tous les clients. Il est atteint de schizophrénie, maintenant il va être enfermé. Schizophrénie perverse et dangereuse. J'ai bon, d'accord. Alors, je ne savais pas tout ce que c'était tout ça. Je suis rentrée donc dans un monde médical qui m'a heurtée, qui m'a choquée. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain avec des voitures, j'en ai deux sans essence, plus d'argent, le frigo, ben, moitié vide puisqu'il y avait encore quelques courses dedans. Mais voilà, une situation, on va dire, presque banale. Et puis, il fallait se battre contre les factures qui arrivaient. Parce que ce monsieur, depuis 9 mois, faisait des fugues en France, en allant se promener, en dormant à l'hôtel, mangeant au restaurant, et en utilisant l'argent du couple et l'argent d'un héritage que je venais d'avoir. Bon, d'accord. Tout cet argent, bien sûr, a été lapidé en alcool, en copains, en tiercés, en fringues, enfin tout ce qui lui est passé par la tête. Et moi, depuis, je ne me remets plus de cette histoire. Et je me demande encore à l'heure actuelle comment je tiens debout, parce que j'ai fait une tentative de suicide, ne supportant plus les visites de la police, ne supportant plus les agressions des voisins, ne supportant plus les réceptions dans la rue. C'est un tout petit pays où j'habite, et puis les gens sont très bavards et très méchants. Au lieu de, quand il y a une personne en difficulté, ben, il vaut mieux lui tendre la main que de lui enfoncer le clou sur la tête, je pense. Hein. Parce que mon mari a fait des esclandres, bien sûr, pour que j'en sois là, dans tout le pays où j'habite, avec monsieur le maire, avec les employés municipaux, avec le café du coin, avec l'épicier du coin, le boucher du coin, enfin, tout le monde, il a partout fait des tas d'esclandres. Oui. Il a écrit à Sarkozy, bon. Moi, j'ai simplement une chose à l'heure actuelle à sauver. C'est-à-dire, premièrement, c'est ma vie parce que elle tient un fil, je suis sur le fil du rasoir, je ne la gère plus du tout, je la maîtrise plus du tout, elle va tout à l'envers de ce que j'aimerais que ce soit. Et par contre, il y a des gens qui m'attaquent aussi parce que j'ai créé il y a 5 ans un élevage de chiens parce que toute ma vie, je suis née avec des bêtes et puis j'ai eu des chiens. Bon, bien sûr, ça dérangeait les voisins. On a acheté une propriété qui, soi-disant, avait les normes qui correspondaient. Maintenant, avec les nouvelles lois de la DSV, ça ne correspond plus. Résultat, j'ai 13 chiens aujourd'hui. J'en ai eu 22. Donc, vous voyez, le cheptel a énormément diminué. Je suis famille d'accueil. On m'empêche de travailler parce que je suis à la retraite et on me dit que je n'ai pas le droit de travailler. En recevant des chiens, je parle. Hein. Bon, les chiens, bien sûr, sont adorables comme tout, mais mon mari étant en crise de schizophrénie, n'a rien trouvé de mieux que d'ouvrir les fenêtres et les portes et plusieurs fois les a lâchés dans le pays, chose qui a occasionné des troubles sur la route. Bon, ces chiens n'ont tué personne, il n'y a pas eu d'attaque d'humains, il y a eu simplement quelques coqs qui sont passés et quelques poules. Mais qu'est-ce que c'est quelques coqs? Coq et quelques poules par rapport à des beaux chiens de race et qui étaient lâchés, qui étaient battus par leur maître et disputés tous les jours. Alors j'ai pris la décision suivante maintenant, c'est de vendre ma maison, c'est de partir de ce lieu. Parce que quand on est dans un lieu où qu'il n'y a que de la haine, des pétitions de fête, de la méchanceté, moi je peux pas vivre comme ça dans le bonheur de mes chiens. Je pense que vous avez pris une bonne décision parce que là vous avez apparemment tout le village contre vous. Ah oui, mais complètement, c'est un vrai véritable complot. Ouais. Bah, c'est-à-dire que oui, il y a eu trop de... Oui. Et après, ça a fait boule de neige. D'un tout petit ragot, on en a fait des montagnes. Et je reçois c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes... Des gens qui disent, votre chien a tué mon chat, vous habitez où? Ah ben, à tel endroit. Bon, ben non, ben, mon chien n'était pas là-bas, quoi, c'est tout. Alors, on veut me faire... C'est-à-dire qu'après, vous devenez le bouc émissaire. Voilà, votre mari, après, bon, de par ses troubles psychiatriques, eu beaucoup de démêlés avec tout le monde. Après, il y a les histoires avec les chiens, donc dès qu'il se passe quelque chose, c'est vos chiens qui sont en cause. Vous devenez la cible de tout le monde. Alors le maire n'est plus d'accord avec mon élevage au départ. Il m'a quand même donné parce qu'il a il a la pression de la police sur lui. Et puis il a les plaintes de ses administrés. Il tient à être réélu, certainement aussi. Il est plus sur quel pied danser parce qu'il est très gentil, ce monsieur. Et je m'entendais super bien avant avec lui. Mais s'il a tout le village contre vous, il ne peut pas non plus, même s'il est gentil, si vous voulez. De l'aide, je suis seule dans cette histoire et j'ai demandé de l'aide à la Fondation Brigitte Bardot, à son centre d'avocats. Oui, vous avez bien fait. J'ai demandé de l'aide
dans différentes... Bon, la SPA me soutient, puisqu'en ce moment, on m'apporte des bénévoles, comme moi, parce qu'il y a longtemps que je suis bénévole, et on m'apporte à manger pour mes chiens. Bon, les chiens ne souffrent pas, mais ce qui est la décision très difficile à prendre, c'est de quitter une ville, quitter un village, suite à un quiproquo, qui... Les gens viendraient parler avec moi, ils verraient que je reçois des gens avec des enfants, jamais un gosse n'a été mordu, ni quoi que ce soit. Bon, j'habite en face d'une école, jamais il y a de problème. Là, ce qu'il y a, c'est que je suis rentrée dans un système de folie avec un époux qui était ingérable. Et ce que j'ai peur maintenant, c'est qu'il est en cure. Et quand on va me le rendre de cure, dans quel état on va me le rendre? Parce que quand on a une maladie, aussi profonde, sérieuse, c'est pas d'hier. On n'arrive pas à 60 ans avec ce problème-là. C'était donc quelque chose qui était caché, profond. Et maintenant, quand je le vois, je suis indifférente à lui, il ne me parle pas. Il est rentré dans un monde de repli sur lui. Je lui parle de la maison, du jardin, de ci, de ça, de ce que je fais. Mais plus rien l'intéresse. Et puis là, je sens qu'il a des réflexions de haine. Alors quand c'est comme ça, ben je pars, je pleure, et puis je m'en vais sur la route, je repars, quoi. Je dis, c'est pas la peine de rester devant un être qui ne veut plus communiquer. Alors les décisions suivantes sont, dois-je divorcer, dois-je pas divorcer? Qu'est-ce que je dois... J'ai toujours beaucoup de tendresse pour lui, parce qu'on a quand même 40 ans de mariage, c'est pas rien. Mais comment démolir tout ça pour ne pas trop faire de casse et puis partir C'est pas vous qui démolissez, hein, c'est la maladie qui démolit. C'est la maladie qui a démoli, qui a tout démoli. C'est important déjà de. C'est déjà important de prendre conscience quand même de ça. C'est pas vous. La relation. Puis je suis pas martyre non plus. Je suis dans une position. C'est ce que j'allais vous dire. Je suis pas martyre. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que vous, à un moment, ça vous avait conduit dans un tel état de souffrance que vous aviez voulu mettre fin à vos jours. Quand même, je suis dans des idées suicidaires. Je peux plus lutter parce que il y a trop la loi contre moi. Il y a trop le fait qu'on m'impose 9 chiens au lieu de. Non mais ça c'est non mais le fait, bon, on sent qu'il vous reste de l'énergie et dans fait déjà de dire déménager, ça me paraît être une très bonne solution. Parce que là, bon, vous êtes devenue la bête noire, sans mauvais jeu de mots, de ce village. Bon, donc déjà en allant ailleurs, vous serez dans un endroit où vous arrivez, vous n'aurez plus tout ce passé, vous serez plus la femme d'eux. Parce qu'on s'imagine que je suis comme lui, étant donné. Non, mais ce qui est terrible, c'est on voit bien que de toute façon, faut savoir que le malheur, là, ça, vous savez, ça n'épargne aucune famille, que la souffrance la plus voyante n'est pas toujours la pire, et que derrière les façades honorables de ceux qui accusent, il y a souvent bien des turpitudes. Hein, donc, l'actualité qu'on a vue ces dernières semaines, parfois, nous a montré des choses comme ça bien tragiques. Vous savez, gardons-nous comme ça de blâmer, de juger. Mais, après, une fois qu'on est pris pour cible comme ça, c'est très compliqué. Et votre mari, avec ses problèmes d'alcool, ses problèmes de troubles psychiatriques, en étant effectivement sa femme, vous êtes le jeu, les mauvais copains. Bon, voilà, vous êtes son épouse, vous êtes associée à tout cela. Voilà. Alors, en plus, il y a eu ces problèmes de chiens village, en étant moment, il a ouvert les portes. Alors, ça a été quelques temps des chiens errants qui ont eu le malheur de manger quelques poules. Ouais. Bon, là, c'est terrible. Alors, maintenant. Les poules, hein, mais bon. Oui, mais c'est terrible. C'est le contact après qui n'est plus frais, qui n'est plus, qui n'est plus gentil, quoi, quand les gens vous regardent. Moi, je peux plus vivre à l'heure actuelle, je me sens salie, humiliée. Donc, je pense qu'il est important vous pouvez le faire, vous reconstruire ailleurs. Mmh. Et puis après, par rapport à votre mari, bon, je comprends, là, c'est plus compliqué, mais en même temps, comme vous dites, c'est de toute façon, s'il a des troubles psychiatriques aussi importants, vous ne pourrez pas avoir la relation que vous aviez. Il y a un deuil à faire de la relation que vous aviez avec cet homme. Vous ne pourrez pas avoir la relation que vous aviez avec lui. Donc là, évidemment, en parlant de divorce, vous êtes vraiment dans la cassure. Mais de toute façon, même si vous ne divorcez pas de cet homme, il y aura cassure.
Ben oui. Parce qu'à partir du moment où il y a de tels troubles qui s'installent, vous ne pourrez pas avoir des relations que vous aviez avec lui. Non, puis le courrier que je reçois, les menaces, les convocations, enfin tout ça n'arrête pas. Et moi, je peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. Je peux plus, je me consume. Mais alors peut-être qu'il faudrait que vous en parliez un petit peu pour quand même pouvoir, voyez, parce que c'est une décision aujourd'hui, évidemment. J'ai l'aide sociale qui est venue, on en parle. Elle me dit, est-ce que vous avez des amis, est-ce que vous sortez? Je dis non, je m'enferme. Ben, mais en parler, comme le dit Prune, de façon plus psy, avec un psychologue, d'avoir quelques séances. J'ai demandé à voir un médiateur pour avoir justement des conseils sur ma future vie pour ne pas faire d'erreur. Et puis, éventuellement aussi de voir un juge, enfin, ou quelqu'un de haut placé pour me diriger dans ma vie. Parce que ma vie, j'ai dirigé toute ma vie. Et là, je ne contrôle plus le bateau est coulé, quoi. Je peux plus avancer. Et je sens que je me détruis, je me consume, je m'use. Et puis là, j'étant là, j'ai plus envie de rien. C'est un véritable effort d'aller acheter le pain. C'est un effort de sortir de chez moi. Il y a plus aucun plaisir nulle part. Vous voyez, il y a une chose qui me tient, parce que je le disais cet après-midi, c'est parce que mes chiens m'obligent à me lever déjà au lieu de rester couché. Oui, toute mais la c'est journée. Pour ça, Jacqueline. Je m'occupe d'eux. Ils m'obligent à les sortir, à leur faire à manger. Et puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils jappent. Je suis là, je surveille. Et puis quand je ne vais pas bien, ils sont tous là. Oui, mais donc Jacqueline, je ne veux pas qu'on détruise ça parce que c'est devenu ma famille, ma seule famille, je n'ai plus personne. Et c'est devenu mes enfants. Jacqueline, il serait quand même important que vous alliez parler, j'entends que vous parliez de médiateur, de juge et autres. Moi, je pense que ce serait important que vous ayez un soutien psychologique. Ben ça j'ose pas parce que. Mais pourquoi? Je sais pas. Vous, je vous connais en tant que voix à l'antenne. Je vous reçois 5/5. Une fois, je suis allée voir un psychiatre. Il s'est assis. J'avais 20 ans. Hein. Il s'est assis derrière une table. Il a pris un crayon. Il s'est mis à griffonner. Il m'a dit bon, on va commencer à l'âge de 1 an quand vous étiez toute petite. Déjà là, ça m'a bloqué. Et quand il a vu que rien sortait et que je me suis mise à pleurer, parce que j'ai pour moi l'enfance a été difficile, ben, j'ai dit, je crois que monsieur, on ne se reverra pas. Je n'ai même pas payé la séance. J'ai pris mon sac, mon manteau, je suis partie. Mais vous avez bien fait. Voilà. Parce que mais Jacqueline, alors je vais vous dire une chose. Il y a un dialogue, vous savez, il y a une complicité, il y a un feeling. Mais vous, je vous ressens à l'antenne bien. Je vois les conseils que vous donnez. Ce soir, j'ai osé vous appeler. J'en suis très heureuse. Et voilà, vous m'apportez aussi un grand réconfort et puis une écoute. Et j'ai dit, bon, je ne suis pas seule dans ce naufrage, quoi. Oui, mais Jacqueline, vous avez bien fait si bon vous ne vous sentiez pas en confiance. Me dire très fort, hein, écoutez-moi. Vous avez bien fait de vous n'aviez pas de confiance en ce psychiatre la première fois. Lorsque vous aviez 20 ans, vous êtes partie. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Parfois, il faut s'armer de patience et voir plusieurs thérapeutes avant de rencontrer celui qui nous convient. C'est comme avec un médecin généraliste, on trouve pas celui qui nous plaît, celui qui nous convient du premier coup. Alors évidemment, c'est plus compliqué parce que là, on vient parler de ce qu'on a de plus intime en soi, de ses blessures les plus intimes, et qu'on ne confie même pas à son entourage le plus proche. Non. Pour autant, je pense que c'est important parce que vous êtes quand même dans un, il y a un désarroi chez vous. Vous dites que au fond, ce sont vos chiens qui vous font vous lever. Ah oui, alors c'est important, mais c'est pas suffisant. Parce que je vais vous dire, j'ai des blessures, je n'aime pas non plus le côté reparler de son passé. J'étais une enfant qui n'était pas voulue. Après, j'ai été élevée par mes grands-parents. À 12 ans, j'ai été violée. À 18 ans, je me trouvais enceinte. Ma mère a fait passer l'enfant parce qu'elle n'acceptait pas qu'une fille de notre famille se marie avec une robe en blanc et avec le ventre rond. À l'époque, c'était pas la mode, hein, j'ai 60 ans. Bon, vous voyez 40 ans en arrière ce que ça peut faire. Et puis, il y a tout un tas de choses comme ça que j'ai subies qui sont bien enterrées dans ma terre parce que j'ai bien mis tout ce qu'il fallait. J'ai bien mis beaucoup de terre pour que ce soit profond parce que je ne veux plus vivre avec ce passé-là. Oui. Le fait, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est mettre un pied devant l'autre, c'est ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain, mes projets du futur. Mais le passé, je ne peux pas le refaire, il est fait, il est fini. Non, je mais peux pas le refaire. Non, vous je avez veux raison. Pas le faire revivre même. Vous,
Il y a des blessures oui, mais à colmater, il agit. Il agit et malgré il a, vous. Il agit dans mon inconscient, oui, vous voulez dire. Oui. Il est toujours là. Et oui, c'est là où souvent, si vous voulez... Comment le vomir alors? Comment le léger? Oui, voyez, le vomir. Oui. Hein. Quel terme. On voit à quel point vous avez besoin de parler. Ah oui. Ah oui, je suis très... Et par exemple, cette tentative de suicide que vous avez fait. Hein. Oui. Et puis, les comment chiens, à un moment, tout, je cette... Je voulais faire sauter la maison, je voulais... Oui, comment cette souffrance... J'avais ouvert le gage, j'ai pris des comprimés, tout était et parti. Et oui, comment hein. cette souffrance peut à un moment vous terrasser hein. Oui. Hein. Parce que j'en ai marre de lutter, de... Mais j'entends... Depuis que mon mari Jacqueline, n'est plus j'entends... à la maison, dans un sens, je suis heureuse d'avoir organisé puis de m'en être sortie toute seule. J'ai dit, t'es une grande fille parce que tu t'es bien débrouillée, t'as rien demandé à personne. Mais dans un autre sens... je suis pas, j'ai que mes chiens, ça me suffit pas, quoi. Comme vous dites, il faut parler. Il faut avoir une relation. Oui, et c'est pour ça que je ne vous cache pas qu'évidemment, une thérapie, ça veut dire qu'on part quand même, on revient toujours autour de l'enfance quand même. Hein. Voilà. Oui, mais c'est pas, c'est un moment pour parler de choses évidemment qui, il y a des choses qui ont été douloureuses, mais c'est un moment pour que ce passé aussi, on puisse vraiment s'en libérer et le laisser à sa place de façon à ce qu'il n'agisse plus à notre insu, qu'il ne transpire plus comme ça de façon, qu'il ne sécrète plus de façon toxique et qu'il puisse pas ressurgir comme une bombe. Ah oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Et nous pousser parfois à des gestes comme ça extrêmes. Hein? Non, parce que je suis une fille heureuse de vivre. Je vis à la campagne, j'ai beaucoup de choses. Je suis une passionnée, j'ai fait des métiers très intéressants dans ma vie. Je suis toujours intéressée par toutes sortes de choses. J'ai taillé des pierres, j'ai fait de la minéralogie, j'ai étudié les pierres en médecine, avec la cristallothérapie, la lithothérapie, j'ai étudié les énergies. Parce qu'à la base, j'ai un brevet d'esthéticienne. À 20 ans, j'étais esthéticienne. Donc, si vous voulez, le contact des massages n'allait pas trop loin pour moi. Oui. Et j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Mais toute ma vie, j'ai cherché, j'ai appris. Et puis maintenant, je suis en fin de carrière. J'ai dit, bon, maintenant, c'est mes bêtes, parce que j'en ai toujours eu, mais en plus grande quantité. Et puis, c'est eux que je soigne. C'est mes bouchons. Oui, c'est mais mes bouchons, prenez, quoi. J'ai envie de dire, prenez soin de vous avec autant d'affection, de tendresse que vous le faites avec vos chiens. Ben, écoutez, il y a quelques oui, temps... non, mais Jacqueline, vous entendez ce que je vous dis? La tendresse et l'affection que vous portez à vos chiens, accordez-vous-la à vous aussi. Je suis en train de prendre cette piste-là parce qu'il y a quelques temps, toute la maison était fermée, les volets étaient fermés de partout. Je vivais dans le noir, en chemise de nuit. Je mangeais plus. Et puis d'un seul coup, quelqu'un est venu frapper à la porte et puis a vu toute la situation, dit attention, c'est pas possible. Et maintenant, tu vas sortir. Maintenant, tu vas aller t'acheter une robe, une paire de chaussures. Tu vas aller t'acheter du maquillage si t'as envie. Et puis bouge de là. Puis on m'a emmené par la main. On m'a dit, bon, maintenant, tu te prépares. Ça suffit ton cinéma, là. Qui n'était pas du cinéma, hein. C'était une vraie dépression grave. Et on m'a dit, maintenant, tu sors. Et depuis quelque temps, je prends tous les jours la voiture en disant, je me force à aller faire une visite, voir un magasin, voir... Et ça me fait énormément de bien. Puis, dans la propriété, j'ai du jardin. Alors, j'ai des messages qui arrivent pour vous. Ah bon, et on va conclure avec ces messages. Il y a Prune. Alors, il y a Evelyne qui demandait dans quelle région êtes-vous. Vous n'avez peut-être pas trop envie de le dire, puisque, étant donné. Si vous voulez, à travers vous, on peut transmettre l'adresse après. Parce que si d'accord, les gens veulent m'aider, on peut transmettre. Oui. Bon. Alors, il y a Brigitte qui dit, axez-vous sur ce déménagement qui vous libérera du cauchemar que vous vivez dans ce village, voilà. Et surtout, accordez-vous le cadeau qui est l'écoute d'un psy. Quelle écoute d'un psy, pardon. Oui. Prune également, mettez des mots sur vos mots, vous irez mieux, bonne route. Il y a Amanda de Corse qui dit, vous avez pris une très bonne décision, éloignez-vous de ce climat malsain, tenez fort, Amanda qui vous embrasse. Oh, c'est gentil, moi aussi je l'embrasse. Osiris qui dit, la souffrance des uns nourrit la méchanceté des autres. Et puis First Lisa qui dit, par rapport à votre mari,
il faut peut-être songer à vous éloigner parce que vous allez déménager, mais ça, ça va recommencer vous déménagez. Et vous savez, je suis une personne, je vous ai pas dit, mais qui est croyante et pratiquante, et je demande beaucoup, beaucoup, beaucoup au Seigneur qui me guide tous les jours, qu'il m'emmène sur le chemin où je dois aller, puisque je lui dis, tu n'as pas voulu de moi, tu n'as pas voulu que je me suicide, et bien maintenant, sois près de moi, et puis Dieu aide pour les gens croyants, bien sûr, hein, je ne suis pas pour militer quelque chose, mais aide beaucoup, et puis j'appelle tout le temps la Vierge Marie qui m'aide, et ça la foi m'apporte une richesse, une nourriture. Et puis une spirituelle. Alors vous parlez de nourriture, là une métaphore jardinière du subversif qui dit ce qui est enterré fait du semis qui germe et n'en finit pas de pousser de travers sans fleurir jamais. Labourer est un travail nécessaire que vous devez vouloir pour vous. Par rapport à l'enfance et travailler là-dessus. Alors, cultivez votre jardin, ma chère Jacqueline. Oui. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Au revoir. Je vous embrasse. Très heureuse de vous avoir entendu. Au revoir, merci Jacqueline. Beaucoup, au revoir. Au revoir. Un petit message encore pour Jacqueline qui dit vous avez de l'énergie et certainement de grandes ressources. Courage pour aller de l'avant. On accueille maintenant Cécile. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Cécile. Je suis vraiment très contente de vous avoir. C'est un petit peu intimidant, c'est vrai. Oui, les premiers temps, première minute. C'est ça, voilà. Bon, voilà, je souhaitais vous avoir un peu en ligne parce que donc j'ai 37 ans. Oui. Et j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant, j'avais 12 ans. Elle est décédée des suites d'une grave maladie. Je l'ai toujours connue malade, mais c'était une maladie évolutive. Et c'est vrai que dans les premières années de ma vie, ça se voyait pas trop. Et puis en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans et la maladie s'est aggravée, et, si bien que elle n'a plus vraiment pu s'occuper de moi. Moi, je suis malgré tout restée auprès d'elle pendant 2 ans. Et puis donc, je vivais avec une maman qui était vraiment invalide, hein, qui ne pouvait pas s'occuper de moi. Je voyais mon père régulièrement malgré tout. Et puis, à l'âge de 9 ans, donc elle a été transférée à l'hôpital. Bon, ça a été définitif, mais à ce moment-là, on le savait pas encore. Moi, je suis partie vivre une année chez ma grand-mère. Et ensuite, c'est mon père qui a repris ma garde. Et voilà, donc quand j'ai eu 12 ans, elle est décédée des suites de cette maladie-là. Et en fait, la question que je me pose aujourd'hui, et ce qui me pose problème, en même temps, j'ai pas vraiment l'impression que ça me pose problème parce que j'ai toujours vécu ma vie de façon assez, correcte, bien. Je n'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Mais en même temps, je me demande pourquoi je n'ai jamais pleuré sa mort. Elle ne me manque pas. Je ne parle jamais d'elle. Je n'ai pas de photos. Je fais comme si finalement elle n'avait jamais existé. Et hormis le jour de l'enterrement où j'ai vraiment lavidé toutes les larmes de mon corps, je n'ai jamais, depuis 1986, pleuré son absence. Et voilà, j'ai eu moi-même des enfants, 2 filles. Et bon, je me suis dit peut-être qu'au moment de la grossesse ou au moment de l'éducation de mes filles, je vais me replonger dans ce qui est de ma propre enfance, mais en fait pas du tout. Et donc voilà, je continue d'avancer en me disant que je sais pas ce qui s'est passé en fait, parce que quand j'en parle autour de moi, les gens sont plutôt surpris que j'ai une telle distance par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Vers l'âge de 25 ans, j'avais souhaité faire une thérapie parce que justement, c'était un moment où je me cherchais beaucoup, où j'avais besoin d'être soutenue pour continuer à me construire. Et je me souviens très bien qu'au premier entretien, la psychologue m'avait demandé qu'est-ce que fait votre père ? Donc je lui dis mon père fait tel métier, et elle me dit qu'est-ce que fait votre mère ? Et là je dis ma belle-mère fait tel métier. Donc je lui cite ma belle-mère, donc la seconde femme de mon père que je connais depuis l'âge de 7 ans. Et donc elle me dit non, je vous ai demandé ce que faisait votre mère.
Et d'un seul coup, j'ai réalisé en fait que spontanément, je pensais, et je lui dis, ah oui, ben oui, en fait, oui, ma mère était, elle faisait tel métier, voilà. Oui. Donc, et quand vous aviez commencé cette psychothérapie, c'était par rapport à cela, c'est-à-dire au fait que justement vous n'aviez jamais exprimé de peine, de manque. Non. Jamais. Et c'était pas par rapport à cela, c'était non, pas votre demande. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs. Non, mais c'était pas votre demande. Ah non, pas du tout. Non, j'y allais. J'avais voulu faire une thérapie à ce moment-là parce que j'étais mal dans ma peau, je me cherchais, j'étais un peu triste et j'avais pas envie de rester comme ça. Donc je voulais essayer de faire le tri un peu et je me disais bah forcément cette enfance-là a forcément eu des répercussions sur la façon dont je me suis construite et je voudrais faire le ménage et comprendre. Mais en fait non, j'ai jamais pu évoquer ces questions-là. Et puis comme c'est vrai que lorsqu'on est en thérapie, bon bah c'est plutôt le patient qui amène la conversation. Oui. Moi c'est quelque chose qui ne vient jamais. Donc là j'ai repris une thérapie il y a un an pour un autre problème. Donc je ne suis une fois de plus pas allée voir un psychologue par rapport à ça, mais pour complètement autre chose. Mmh. Effectivement, la psychologue essaye, hein, par rapport aux autres, elle essaye systématiquement de me ramener à mon enfance, d'essayer j'aille trouver dans mon enfance, ou en tout cas dans ma petite enfance, ce qui a pu faire que bah, qu'aujourd'hui j'agis de telle ou telle façon. C'est ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, hein, c'est que le passé influe énormément sur les choix qu'on fait, la relation à la mère, hein. Voilà, surtout. Et finalement, non, pour moi, c'est vraiment un gros effort que d'aller puiser dans ma mémoire, chercher des souvenirs ou même chercher des émotions qui datent d'il y a plus de 30 ans. Et puis bon, encore une fois, je pleure pas, quoi. Jamais. J'ai beau aller sur sa tombe avec ma grand-mère, je me dis, bon, ça va peut-être m'émouvoir, mais pas du tout. Il se passe rien. Je suis complètement indifférente. Et pourtant, je pense que j'aimais ma mère. J'avais une mère qui était très douce, qui était très câline. Mais elle est complètement... Alors en même temps, vous dites que vous n'en parlez pas. Vous avez fait deux démarches en thérapie. Et à chaque fois, vous n'en parlez pas de votre mère. Non. Et finalement, là, vous m'appelez, c'est la première chose que vous me dites. Ah bah oui, mais parce que là, je vous ai appelé vraiment pour ça. Et oui, mais c'est c'est paradoxal. Oui. Alors, c'est pas une thérapie, hein. C'est effectivement, vous appelez une radio. Mais c'est la première chose dont vous me parlez. Ah oui, parce que en fait, c'est vrai que c'est une question qui me taraude. Qui vous culpabilise alors un peu, finalement? Peut-être un peu au fond, dans ce que j'entends, est-ce qu'il y a un peu... C'est un peu culpabilisant de pas ressentir de tristesse, oui. Hein, ça, vous le, c'est comme un peu si vous le ressentiez comme ça. Mais même pas, en fait. Hein. Même pas. Dans ce que j'entends, je ressens un peu comme si, au fond, comme vous dites, hein, on devrait pleurer l'absence d'une mère, être dans le manque. Peut-être que vous êtes... cette mère, au fond, vous a suffisamment donné, rempli, pour que vous continuiez à avancer. Oui, c'est possible. Mais mais c'est vrai que j'ai tellement peu de souvenirs. Et puis bon. Peu de souvenirs. Ah oui, j'ai vraiment bon. Alors moi, ce qui me frappe justement, c'est que il y a quelque chose comme si vous avez dit comme si elle n'existait pas, comme si y a, c'est là où il y a. Parfois, ne pas en parler, c'est aussi ne pas pouvoir en parler. Oui. C'est-à-dire comme d'une tristesse aussi qui ne peut pas s'exprimer. Mmh. Tant elle est enfouie, on dirait dans notre jargon de psy, refoulée. Mmh. Oui, je pense qu'il y a vraiment... Et au fond, faire comme si ça n'existait pas, et comme si, au fond, ça n'avait pas eu lieu.
Et si ça n'a pas eu lieu, s'il n'y a pas de tristesse, c'est comme si au fond, il n'y avait pas eu tout l'événement, tout, on n'avait pas été confronté à tout ce que vous avez vécu, à tout ce qui entourait et la mort de votre mère et la maladie de votre mère, et que tout ça était enfoui en vous, et mais qu'il ne fallait pas le faire ressurgir. C'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivée parce que j'ai lu déjà plusieurs ouvrages et puis j'ai un métier aussi d'écoute, donc je connais un petit peu ce fonctionnement-là et je me suis dit ben peut-être que puisque c'était trop violent pour moi, les enfants réagissent comme ça, c'est-à-dire que quand c'est trop violent, quand quelque chose est beaucoup trop violent, ils le refoulent tellement qu'ils finissent par ne plus y penser. Mais du coup, les enfants d'ailleurs, vous savez, Cécile. Les adultes. Je pense que moi j'ai réagi. Enfin, je pense que j'ai dû réagir comme ça. Peut-être que la maladie plus le décès après. Ça fait beaucoup. C'est énorme, oui. Trop violent, ou trop fort, ou je ne sais quoi. Et du coup, j'ai tellement refoulé. Mais bon. C'est une façon de se protéger. Voilà, mais tout à fait. De se protéger, c'est-à-dire, vous dites, au fond, il y a un tel décalage entre cette maman, vous dites, douce, avec qui vous aviez une bonne relation, semble-t-il, c'était dur parce qu'il y avait la maladie. Et puis cette disparition, et en même temps, vous dites cette distance. Alors, c'est pas dans le fait de ne pas pleurer, de ne pas parce que ça, parfois, on peut être très triste et ne pas arriver à pleurer. Mais c'est après tout ce que vous dites finalement d'être dans une espèce de distance, de ne plus en parler, de faire comme si elle n'avait pas existé. Enfin, comme si vous étiez totalement à distance, c'est-à-dire comme vraiment une protection, un mécanisme de protection qui s'était mis en place pour ne pas vous laisser trop atteindre. Mais oui, mais alors du coup, je me dis, est-ce que je peux continuer à vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie, sachant que bon, je vis pas trop mal, même si j'ai eu, comme tout à chacun, j'ai eu des souffrances, des séparations, enfin des tas de choses comme ça, mais. Oui. Mais est-ce que nécessairement il va falloir qu'un jour je crève cet abcès et que j'arrive à pleurer pour le coup ou est-ce que finalement c'est pas nécessaire et est-ce que j'ai été enfant peut-être résiliente au point de trouver d'autres forces en moi pour continuer et... Vous n'avez pas de somatisation particulière? Non, absolument non. Pas, non. Non, non. Non. Non, non. Non, il n'y a pas de. Si vous voulez, il n'y a pas de. Quand vous dites de nécessité absolue, il n'y a pas un chemin tracé. Vous voyez ? Il n'y a pas. C'est-à-dire que le problème, c'est si vous aviez. Ce serait si vous aviez des symptômes, qu'ils soient d'ordre physique ou psychique, qui vous entraveraient dans votre existence. Ce n'est pas le cas. Non, non, non. Hein ? Non. Donc, dans la mesure où ce n'est pas le cas, bon. C'est-à-dire que vous avez un refoulement qui opère bien et qui se manifeste pas, qui vous empêche pas de, qui vous menez votre vie et qui s'est même pas manifesté au moment où vous êtes devenue mère vous-même. Donc, comme le dit First Lisa, je pense que vous portez votre mère en elle. Peut-être que en vous, c'est ce que dit First Lisa. Peut-être que elle porte sa mère en elle. Voilà, c'est dans. Il y a le subversif qui dit si votre mère vous avait si bien aimé, si fort, si justement. Que vos larmes, au fond, coulées lors de l'enterrement avaient suffi. Alors, il n'y en a même pas eu, mais peu importe, c'est pas ça. C'est que ça rejoint ce que dit First Lisa, c'est-à-dire que vous la portez en vous et que cette présence qui s'est transmise au cours de ces années était, il y a cette présence, au fond, bienveillante, au fond de vous. Oui. Ces 12 premières années, c'est important, même s'il y avait la maladie. Mais il s'est transmis beaucoup de choses. Alors, c'est pas nécessaire, il n'y a pas un chemin obligé.
Hein, vous pouvez, dans la mesure où il n'y a pas de manifestation, voyez, physique, psychique, de souffrance. Bon. Et encore une fois, vous faites, c'est pas des choses qu'on décide. Vous ne décidez pas de ça. Oui. C'est, vous avez fait là. Je pense qu'il y a derrière cela une protection avant tout. Et on se protège d'un bouleversement de quelque chose qui est d'autant plus intense, d'autant plus bouleversant. Oui. Hein. Donc, ce qui témoigne aussi certainement de la brutalité de ce que vous avez vécu à ce moment-là. Oui, certainement. Mais c'est vrai que j'ai un jour une amie qui m'avait dit fais attention parce que là, t'as refermé le couvercle il y a bien longtemps, tu t'es assise dessus, mais le jour où il va se rouvrir ou le jour où tu vas revivre un deuil, ça va être très violent si t'as pas, entre guillemets, réglé cette question du deuil de ta mère. Donc, parce qu'en effet, j'ai pas l'impression d'avoir fait un deuil, j'ai l'impression de pas être passée par oui. cette étape. Oui, ça peut effectivement ressurgir. C'est pour ça que le travail que vous faites actuellement dans votre thérapie et que la thérapeute vous amène, enfin. Il y a des moments où elle vous fait parler, enfin elle essaye de vous faire parler, c'est vous qui parlez en même temps, mais évidemment c'est ces 12 premières années, donc vous amène à parler de votre enfance, ça se comprend, hein. c'est pas essayer de vous forcer la main, c'est aussi dans une thérapie on parle de l'enfance. Oui, mais oui. Est-ce qu'elle est dans vos rêves? Non très, plus. Très rarement. Oui, mais quand même, de temps en temps. Oui, de temps en temps. Et comment se manifeste-t-elle dans vos rêves? Souvent, elle marche, ce qui n'était pas le cas. Oui. Par contre, ça arrive vraiment très très peu, mais quand ça arrive, quand je me réveille le lendemain matin, je suis heureuse parce que j'ai vraiment l'impression de l'avoir vue et d'avoir passé un moment avec elle. Alors, oui. C'est extraordinaire en fait parce que... il y a simplement à travers mes rêves qu'elle revit en moi. Mmh. Et le fait de me sentir apaisée, de me sentir bien au réveil, du coup, ça me déculpabilise peut-être un peu. Ça me rassure, en fait, par rapport au lien que j'ai avec elle. Oui. Je me dis qu'il y a quand même quelque chose. Mais il y a un lien. Même si c'est ténu et que ça se manifeste pas comme ça régulièrement, mais au moins il y a quand même un lien, il y a quand même quelque chose qui... Mais il y a un lien, Cécile, évidemment. Vous n'avez pas passé ces 12 premières années de votre vie aussi particulier auprès de votre maman sans que cela laisse des traces profondes et tellement profondes que justement vous êtes... beaucoup protégé parce que sa disparition en fait je pense vous a beaucoup fait souffrir. Oui, c'est vrai. Et que justement vous êtes beaucoup protégé de cela. Mm-hmm. Pour vous éviter de vous confronter en fait, c'est faire comme si elle n'était pas morte. Je pense, hein. Merci beaucoup de votre confiance et de votre témoignage. Au revoir Cécile. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.